Bonjour, bonjour. Alors pour commencer, désolé pour la qualité un peu nulle de cette vidéo. Comme vous le savez si vous me suivez sur les réseaux sociaux, en décembre, on m'a volé tout mon matériel, ordinateur, caméra et micro. Donc là, je fais avec ce que j'ai sous la main, à savoir un smartphone qu'on m'a prêté, en une seule longue prise, ce dont j'ai pas vraiment l'habitude. Donc voilà, je vais surtout lire mon texte en agitant ce petit Captain Tabouret en Lego. Je voulais surtout vous dire que j'avais été invité par Antoine, de la chaîne BrickFan, à faire une critique de Rogue One avec lui. Vous pouvez aller la voir en cliquant ici. En plus de la partie critique, vous retrouverez une review des sets Lego Rogue One, comme BrickFan sait si bien les faire, et une review de la musique du film par Syllabeo, une chouette chaîne consacrée aux bandes originales de films que je vous conseille d'aller voir. Et de mon côté, j'ai préparé un petit segment sur les précédentes histoires qui concernaient l'Étoile Noire. Alors c'était une expérience assez nouvelle pour moi, peut-être aussi pour Antoine. En tout cas, c'était très intéressant. Et un immense merci à Antoine pour m'avoir invité à y participer, et surtout pour avoir assuré le tournage et le montage de mon segment. Mais j'ai aussi d'autres choses à vous conseiller, à savoir des conférences et des interviews qu'on a pu faire lors de l'événement Rogue One Standing By à Paris, en décembre. Le gros morceau, c'est la conférence qui a eu lieu avec une partie des artistes qui ont conçu les créatures de Rogue One, mais il y a aussi d'autres petites conférences très sympas et des interviews, comme celle de Yoda Blog que j'ai pu faire sur place. Il reste encore quelques conférences et interviews à sortir. Pour les voir, surveillez la chaîne de Star Wars Universe. Rendez-vous, je sais pas quand, je n'ai toujours pas d'ordinateur capable de faire du montage, donc annoncer une date, ça va être un peu compliqué. En attendant, je me connecte de temps en temps sur les réseaux sociaux, et c'est peut-être le meilleur endroit si vous voulez avoir des nouvelles. Sur ce, à la prochaine!